Salut. Bonsoir. Bonsoir. Une seconde. Ah non, j'ai pas. Non, je sais, je sais, je sais. La vérité, tu sais c'est quoi la vérité? Tu sais c'est quoi la vérité? C'est que moi aussi, j'ai pas le temps. La vérité, c'est que là, je sors du travail et je suis censé aller du côté d'Aubert pour prendre la ligne A et non descendre dans ce métro. D'accord. Voilà. Donc, Ulrich. Elodie. La main droite, c'est... Voilà. Ça se voit que je suis une femme polie. Merci. Ouais. Salut. Salut. Je t'ai pas effrayé, j'espère. Pardon ? Je t'ai pas effrayé, j'espère. Ah non, 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 c'est que juste, je me fais pas interpeller comme ça. Ah ouais ? J'adore tes cheveux. Ah, merci. J'aimerais avoir les mêmes, tu vois. Ah, mais non, je c'est trop d'entretien. Sérieux ? C'est galère ? Ah oui. Ah, non, tu vois, non, je veux avoir les mêmes. Avant de galérer, je préfère avoir les mêmes. Mais pour de vrai, quand j'étais petit, je sais pas, tu regardais plus le foot ou pas ? Pas trop, je suis pas trop fan de foot. Il y a un joueur sportif. Footballeur brésilien, j'ai pas envie de dire bêtises. Il a des cheveux comme ça. Si, si, oui, je vois. Quand j'étais petit. Il y a Colombien aussi, je crois. Tu as mal aux pieds, tu as assez mal aux pieds que ça? Oui, j'ai très mal aux pieds. C'est quoi, t'es pas habitué aux bottines ou quoi? Si, mais j'en ai marre de traîner dans les magasins. Ah, au moins ça, c'est pas de ma faute. Le fait que tu aies traîné dans les magasins. Vas-y, viens, je vais te laisser là et je vais remonter. Du coup, après le travail, je suis allé traîner dans les magasins. Oui, pour faire des cadeaux. Ah, ça, c'est une juste cause, ça. Dans ton mal de pied, il est justifié, du coup. Oui. Tu es de quelle origine? Je suis tunisienne. Ouais, j'aurais dit un truc comme ça un peu, tu vois. Ah oui? Mais après, quand je l'ai vue, je me suis dit peut-être qu'elle est métissée. Ah non. Non, je suis une pure sang. Je t'avouerais que j'aime pas généraliser. C'est... J'ai des copines, elles préfèrent les blancs, les blacks, j'en sais rien. Ça va, tu m'as l'air cool. Tu m'as l'air aussi ouvert d'esprit. Ah oui, très. J'ai fait des boutiques parce que c'est l'anniversaire de Pierre-Paul Jacques, donc j'ai fait des cadeaux et là, j'allais rentrer. C'est trop cool. Faudrait que je te note dans ma liste d'amis, comme ça je vais recevoir plein de cadeaux aussi. Tu fais quoi dans la vie, Jemma? Je suis dans la finance. C'est pas un peu chiant, ça? Moi, j'aime bien les chiffres. Voilà. Pour moi, c'est facile, c'est logique, les chiffres. Ah d'accord. C'est tout ce que tu as voulu faire? Non, je veux pas faire ça toute ma vie. Je veux créer mon entreprise, j'ai des envies, mais je me suis dit d'abord que j'allais travailler en entreprise. Et après, voler de mes propres ailes. C'est pas mal, ça. Et toi, tu fais quoi? Dans quel domaine? J'aimerais bien ouvrir une boutique de fringues. Ça se voit que tu aimes bien les vêtements. Oui, j'imagine que tous les soirs, c'est comme ça. Dès que tu sors du boulot, tu passes dans un magasin. Non, je fais plus ça. Mais parce que ça me revient trop cher. J'ai plus d'espace chez moi, donc j'arrête. T'as plus d'espace? J'ai acheté un coffre-lit. Ah, carrément. Pour changer, parce que chez moi, c'est pas assez bon. Juste pour les vêtements, quoi. Ouais, j'arrête. Non, j'arrête. Okay, j'ai trop de chaussures. Je fais une petite cure en ce moment. Bonne résolution. Ouais. Non, ça, c'est pas pour moi. Sauf le manteau. Ce qui arrive souvent, c'est que... Il y a des filles dans le métro pour les embêter. Non, pas seulement dans le métro, même dans... même dans les bus, même dans les avions. T'as quel âge? Tu me donnes quel âge? Tu fais jeune. J'aime ça, c'est bien. C'est le petit côté renoir, tu vois. C'est jamais vous. Je sais pas. Non, mais comme tu as l'air un peu posé, je dirais plus la trentaine, 30-35. Ouais, d'accord. Parce que moi, tu sais que là, je te dis, mets tes doigts comme ça. Mets ton doigt comme ça. Voilà. Mais quoi, quand t'as voilà, tu as 27 ans. Ah, mais franchement, je suis trop fière. Je vais avoir 37 ans en décembre. 37? Tu m'as donné 10 ans, moi. Putain, c'est trop bien. Mais je fais pas mon âge, ouais. Tu fais pas du tout ton âge. J'ai jamais fait mon âge. Et aujourd'hui, j'apprécie plus parce que on me donne moins. Alors que quand j'avais 25 ans, on me donnait moins, j'attirais que des jeunes. Ouais. J'avais 28 ans et des mecs de 18 ans qui venaient me parler. Attends, Riyad, je vais te serrer la main pour te dire au revoir. Juste. Tu es parisienne ou pas? Comment? Tu es parisienne ou pas? Oui. Mais tu m'as pas dit ce que tu fais à Paris. Bah, c'est pas grave, j'ai pas besoin de te le dire, on se connaît pas. Ça va faire près d'une heure qu'on est ensemble et tu me dis qu'on ne se connaît pas. Mais bien sûr. Non mais sérieux. Ok, passez un peu curiosité, qu'est-ce que tu fais toi? Il faut vraiment que je retrouve mes amis, j'ai pas envie d'arriver en retard. Mais sinon on fait un truc d'archi simple, tu prends mon numéro, tu vois. Quand on a le temps, on se pose, on se prend un café, ça peut être sympa. Si tu promets que tu ne vas pas me frapper ce jour-là. Non. 06 50. Je rentre chez moi. Retrouver mon amoureux. J'ai rien dit, je t'ai pas demandé ce détail. Eh ben, tu pouvais l'omettre, tu pouvais ne pas le mentionner. Ok, Riyad, j'imagine que tu as très mal aux jambes, tu vois. Tu dois vraiment rentrer chez toi. Et je sais que tu vas prendre la ligne. Attends, je te regarde dans les yeux. La 7. Non, en fait, la 9. Oui. Ah ouais, j'allais le dire. Du coup, Riyad, on va faire un truc de très simple. Tu rentres chez toi, tu vois. Moi, je n'ai pas le temps tout le temps, mais quand on aura le temps, on se fait un bébé de chez. J'adore. Oui, Riyad. Pourquoi j'ai la place?
pas mal. Allez, toi aussi.